On se retrouve aujourd'hui pour ce dernier tirage de cette semaine, toujours avec l'oracle de la triade et The Enchanted Map. Toujours, voilà. C'est parti. Ah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à aller mettre un pouce bleu en l'air, vous abonner si c'est pas déjà le cas. Enfin, vous voyez, hein, vous avez l'habitude maintenant. Bon, ben voilà, il y en a déjà une qui a sauté. Alors écoutez, alors ce dimanche, ça, c'est pour moi comme d'habitude, ça va nous parler du début de semaine prochaine. Nous avons l'illusion, nous avons le frère. Pour moi, vous n'avez pas vu, ou en tout cas pas à temps, la personne dont je vous parle depuis quelques jours, depuis déjà la semaine passée, la personne qui potentiellement n'était pas bienveillante, d'accord ? Vous avez été dans l'illusion par rapport à cette personne. Bien sûr, peut-être que vous saviez qu'elle ne vous portait pas dans son cœur ou des choses comme ça, mais je pense que vous n'aviez peut-être pas imaginé que c'était à ce point-là. Et pour moi, en fait, là, on a l'illusion et le frère, c'est le fait de s'être trompé sur quelqu'un. Le fait de s'être trompé sur quelqu'un et aujourd'hui d'en être conscient, en fait. C'est soit d'en avoir la preuve ou soit d'en être conscient. C'est pas dramatique, en fait, hein. C'est pas dramatique, d'accord ? Ça vous dit juste que maintenant, il va falloir passer à autre chose, débuter autre chose. La tentation sera forte de vous raccrocher à ce sentiment de trahison, de machin. Il ne faudra pas y céder. Il ne faudra pas y céder au risque d'avoir en fait encore une fois le malheur, encore une fois le poison, les choses comme ça. Là, il faudra résister à la tentation et vraiment partir d'un autre pied. Je vais vous dire en fait que là, il ne s'agit même pas d'être dans l'indifférence, mais plutôt d'être dans vraiment le fait de couper. Les liens qui sont toxiques et les liens qui ne vous nourrissent que de négatif. D'accord ? Il ne s'agit pas d'indifférence. Si vous avez besoin de sortir les choses, sortez-les. Après tout, voilà. Mais n'attendez pas de réponse, n'attendez pas que ça fasse quelque chose, n'attendez pas que ça serve. D'accord ? N'attendez pas que ce soit utile. Voilà. Parce que ça ne le sera pas. Résistez à la tentation de penser que les choses vont être utiles pour vous ou pour l'autre. Ok, vous allez vous vider, c'est très bien, mais ça n'aura rien d'autre comme effet. Voilà. Donc, pour moi, vous êtes dans l'illusion de certaines choses. Vous êtes dans l'illusion d'une personne, vous êtes dans l'illusion de même des motivations de cette personne à faire des choses comme ça. Ou vous êtes dans l'illusion aussi de la résolution de quelque chose, en fait. Vous pensez peut-être que vous allez réussir à vos fins, mais si c'est pas juste, vous le sentez, en fait. Si c'est pas juste, eh ben c'est pas juste. Et vous ne pouvez pas vous battre pour les autres, en fait. Donc, voilà. Quoi qu'il arrive, prenez un nouveau départ. Prenez un nouveau pli, un nouveau pied. Voilà, hein. On va aller voir avec l'oracle des cartes enchantées. Ah. Nous avons... Alors, métamorphose, et ben voilà, transformer. Transformer la situation parce que la situation, pour concrètement, moi j'ai l'intuition qu'elle va se transformer, mais ne vous alourdissez pas de choses qui ne servent à rien. Voilà, juste à vous alourdir, à vous plomber, à vous mettre de la lourdeur, ça sert à quoi? Franchement, à rien. Avancez, voilà, faites ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, pourquoi s'enquiquiner avec ça? En fait, hein. Ça va vous soulager 3 secondes et puis mettre du venin un peu plus et puis c'est tout quoi. Donc métamorphosez-vous, métamorphosez la situation, transformez en positif, c'est tout ce qui compte. Voilà, sur ce je vous embrasse très fort. Et donc on se dit à demain avec un nouveau tirage et un nouveau jeu peut-être. Non, j'ai envie de moins d'obscurité là. Là, 2 semaines avec jalousie et patati et patata. Là, on va prendre un peu de douceur. Hein. Allez, à la semaine prochaine du coup, à demain. Salut !